Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Sirènes. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 façons de porter les bottes de combat. Ces 5 façons-là m'interpellent beaucoup. Pourquoi les bottes de combat durant l'automne? Justement parce qu'il ne fait pas encore très très froid et il ne neige pas encore, donc il n'y a pas encore de neige. Donc, vaut mieux en profiter, sortir nos bottes préférées. J'aime beaucoup ces bottes-là pour l'automne, justement. Ça nous garde vraiment au chaud, je dirais. Donc, voilà, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et en passant, merci toute la famille qui s'abonne sur la chaîne. C'est vraiment très apprécié et ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc sans plus tarder, allons-y sur la vidéo. J'adore la tendance des bottes de combat pour femmes. C'est confortable, c'est mignon, c'est décontracté. C'est une excellente chaussure car elles sont faciles à styler. Ici, les jeans skinny ou les skinny jeans ou encore en français les jeans minces sont les meilleurs types de jeans à porter si vous voulez les rentrer dans vos bottes. Un pull et des bottes de combat est un look d'automne classique. C'est une combinaison chic. Parfait pour aller faire des courses durant une belle journée d'automne ensoleillée. Bien sûr, n'oubliez pas un beau manteau d'automne également pour éviter d'attraper le froid. Comme le col du chandail est en forme de V, vous avez le choix d'ajouter un collier ou non. Fixez libre à vous. Ce qui est génial avec les bottes de combat tendance de cette saison, c'est à quel point elles sont polyvalentes, qu'il s'agisse d'un déjeuner décontracté ou d'un cocktail avec vos collègues, ces bottes chaudes peuvent être portées à tout moment de la journée. Ce n'est pas parce que l'été nous a abandonnés qu'il faut se résigner à ne porter que des pantalons pendant des mois. Maintenant que les températures ont enfin commencé à baisser et que le mois d'octobre bat son plein, vous pourriez également envisager de porter l'une de ces robes confortables avec des bottes de combat. Vous pouvez aussi l'appeler en passant bottes de moto hein, si vous préférez. C'est la combinaison parfaite pour cette période de l'année et si vous voulez la conserver tout l'hiver, ajoutez simplement une paire de collants et un manteau de votre choix et c'est parti! C'est vraiment un look très confortable, surtout la robe, elle vous permet de bouger à votre guise, je dirais. Les leggings sont si beaux avec des bottes parce qu'ils s'y glissent très bien sans s'étasser. Vous pouvez porter du noir sur du noir ou d'autres couleurs. Les leggings noirs ont également fière allure avec des bottes de combat marron ou beige. Ici, je porte des bottes de combat noires, des leggings noirs, un top noir et un manteau beige ou des couleurs camel, comme on dit en anglais. Ou marron clair. J'adore ce look casual et cozy. C'est l'une de mes façons préférées de porter des bottes de combat. C'est vraiment confortable aussi également là. Ici, je vous montre l'ensemble avec le manteau attaché. C'est très élégant et chic. Très chic même. En fait, c'est un très bon manteau qui peut aussi être porté avec presque toutes les tenues. Mais la combinaison des tenues la plus simple avec un manteau camel de cette couleur-ci, je vous dirais, c'est vraiment la couleur blanche ou noire. Ici, j'ai répété le même leggings avec ces jolies paires de bottes à lacets noirs.
Cette fois-ci, j'ai opté pour un top vert forêt. Vous pouvez aussi porter avec un top blanc ou un top marron pour aller chercher un peu les couleurs d'automne. Un legging noir et des bottes noires constituent une tenue élégante pour les femmes. Toutes les tenues noires sont audacieuses et tellement à la mode, surtout lorsque la tenue a des bottes de combat. Vous pouvez aussi également ajouter avec ce look une autre pièce que je trouve mignon, disons une casquette pour un look plus tomboy quoi. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, hein, n'hésitez pas, c'est très très mignon aussi. Pour cet ensemble-ci, j'ai tenu à vous montrer un exemple parfait de transitionner directement de la saison d'été vers la saison d'automne. C'est-à-dire que vous pouvez recycler votre jolie petite robe d'été pour l'agencer dans un style d'automne, c'est-à-dire avec des bottes, des collants aussi et un joli manteau. De toute façon, qui a dit que les petites robes devaient uniquement être portées avec des sandales ou des petites chaussures de ville? Vous savez, le contraire s'attire hein, parfaitement avec ce look. Ces bottes à l'opposé de mon look casual donnent du caractère. Fait que ici, j'ai attaché le manteau, ce joli beau petit manteau noir. Je trouve que ça va bien avec les petites bottes de combat. Ça s'agence vraiment bien ensemble. Le plus grand avantage de ces bottes est le fait que vous, même si vous êtes team robe ou jeans, écoutez, les deux options sont validées, ok? Donc ces bottes vont quasiment avec presque tous les styles vestimentaires que vous pourriez créer. En fait, durant l'été, si vous portez des shorts, vous pouvez aussi porter ces bottes-là. Voilà, donc c'est vraiment quelques idées des autres styles qui existent. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur les 5 façons de porter les bottes de combat durant l'automne. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires laquelle de ces tenues a été votre coup de cœur. Moi, je les aime toutes. Comme j'ai dit au départ, c'est vraiment les 5 façons qui m'interpellent beaucoup pour mes bottes préférées. Hein. Alors voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. C'est gratuit. Merci du support et du soutien que vous m'octroyez en grand nombre. C'est vraiment très, très apprécié. Et n'oubliez pas de partager le contenu avec une personne de votre entourage. Ça pourrait intéresser cette personne-là, on ne sait jamais. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se revoit lors du prochain contenu. Bisous. Bye.